Genre. Et qu'on fait sortir en mode YOLO, tu sais. Ouais, je me la racle avec mon bolide. Il y a plein de trucs comme ça à analyser que j'ai pas fait gaffe, je parie encore. Ah, belle nomade. Voilà. Ah oui, j'ai pris un niveau. On va en profiter, on va faire monter mes compétences. J'ai 5 points. Oh oui, ça c'est bon. Donc on va profiter pour monter un truc... Ma charge. Comme ça, j'augmente les dégâts de ma charge. Et on va mettre un truc aussi en deux. Je crois qu'il faudrait que je booste. Pas ça. Ni ça. Adepte, déblocage. Atteint le rang 1. Ok. Pouvoir technique. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai rien. Combat. Est-ce que j'augmenterai pas le fusil à pompe? Non, c'est que seulement 5 de stabilité. Non, non, je vais pas utiliser là-dedans. Ah. Ouais, ça ferait quoi le 2? Vitesse de rechargement des pouvoirs biotiques. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Vetra. 2 points supplémentaires. Donc là, je l'ai déjà mis à 2. Voilà, pour utiliser ça plus souvent. Yam. On va lui mettre... donc il a 2 points. Entraînement militaire, je pense. Dégâts des pouvoirs, force des pouvoirs. Voilà. Allez hop. On est parti dans la tuture. Le nomade devrait pas avoir de soucis. Vous pouvez vérifier la marche avant et la marche arrière. Sur le signal, il se trouve très loin là-bas. Ok. Vraiment récupérer les nodes à la station machin. Est-ce que je suis protégé? Radiation. Apparemment, le nomade a l'air de bien le vivre. Je me demande si je peux aller là-bas. Je sors. Comment je sors? Comment je sors? Ok, donc j'ai une durée limitée. Il y a
bien rien. Il y a un poste là. Ennemi droit devant. On approche du site de résilience. Ça devait être celui qui fonctionne, mais on n'a pas pu le mettre à l'épreuve du temps. Les Kurt l'ont rasé. On s'occupera des Kurt. Chaque chose en son temps. Là, on peut pas entrer. Dommage. Putain, ça a l'air d'être stylé, ça. Je pense qu'on va s'occuper du signal dans un premier temps. Parce que c'est vrai que là, l'exploration en fait faudrait mieux la faire quand on aura éteint ce truc et qu'en gros on sera plus emmerdé par les radiations. Je pense que si on arrête tout on sera plus emmerdé. La montagne, on va passer sur le plateau là-bas. Il est maniable ce truc. Ça va, il est bien maniable. J'ai pas d'adhérence, c'est trop raide. Passez en sirop motrice. Vous serez en haut en un clin d'œil. J'ai trouvé. Le signal vient de cette structure devant nous. Ok les gars, je peux pas faire une petite sauvegarde quand même, si. Hop là. Ok, j'ai tout pour faire le plein ici. De l'initiative à proximité. Ça vient d'au-dessus de nous. Je la vois, sur cet échafaudage. Putain, ça commence. C'est la même chose. Ça marche, mais je reçois seulement des symboles aléatoires, des glyphes. En ajoutant d'autres glyphes à ma base de données de l'habitat 7, je pourrais m'interfacer complètement avec la console. Et avec un peu de chance, ça nous permettra d'activer ce qui stabilisera l'atmosphère. Le scanner me permettrait d'analyser cela, pionnière. Une navette. Bien cabossée, mais en état de marche. Ça marche. Mais je reçois seulement des symboles aléatoires, des glyphes. En ajoutant d'autres glyphes à ma base de données de l'habitat 7, je pourrais m'interfacer complètement avec la console. D'accord. Et avec un peu de chance, ça nous permettra d'activer ce qui stabilisera l'atmosphère. Le scanner me permettrait d'analyser cela, pionnière. Oh, relou. Voilà. C'est glissant, mais la vue est magnifique. Pas facile de transporter de l'équipement lourd là-haut.
Faut croire que quelqu'un s'est dit que ça valait le coup. Bon, allons résoudre ce machin. Surveillance. Code, machin truc. On recommence. C'est bon. Connexion en cours. Toutes mes excuses pour la gêne occasionnée. Le système semble instable. Il s'est passé la même chose que mon père l'a fait. Votre père s'est connecté directement au processeur d'atmosphère. C'était extrêmement dangereux. C'est ce qui cache peut-être le centre de commande. Le système est toujours instable. Doubler la puissance pourrait accélérer le processus. Je vais essayer. Non ! Puisque... baby, tu vas bien ? Enlevez-vous de là, ou je tire ! Non, non, mais elle peut rester. Oula, du calme. Échouer maintenant, ça serait dommage. Ça fait des mois que j'étudie ce truc. Je sais pas comment vous avez activé ces glyphes, mais il faut les laisser passer par tous leurs canaux. Vous pouvez me faire confiance, tout ira bien. Me demander de la pousser, hein. Je sais. J'ai pas la poussée, elle était bien là. Je veux dire, je sais qui vous êtes, moi. J'ai vu le vaisseau descendre. Vous êtes une pionnière. Je commençais à me dire que l'initiative vous avait inventée pour qu'on perde pas espoir. Mais non, vous voilà. Et vous, vous êtes qui ? Vous étiez sur le point de me le dire. Je suis peut-être la solution à tous vos problèmes. Hé, regardez. C'est Liam qui était jaloux, en fait. C'est pour ça qu'il voulait la bouger. Le système s'est stabilisé. J'établis la connexion. Oh putain. On a déjà vu un truc comme ça. Je les reconnais. C'est les mêmes que sur l'habit à 7. Plus tard. Pour l'instant, détruisez-les. Occupez-vous d'abord de celui-là. Il fabrique des petits robots. Oh, c'est destructible. Ça peut se détruire. Sympa. Pas mal. Mon premier accrochage avec les reliquats s'est beaucoup moins bien passé. Les reliquats ? Ces monolithes, les observateurs, les assembleurs, ce sont les reliques de quelque chose de bien plus grand. Mais ça fait trop long comme nom. D'où les reliquats. C'est aussi pour ça que je me fais appeler Pibi. Pibi. Merci pour votre aide avec ces... trucs. Je m'appelle Ryder. Vous êtes une vraie énigme. J'étudie ces glyphes depuis des mois et vous, vous débarquez et bim, problème résolu. J'ai vu cette technologie dégager le ciel sur l'habitat 7. On espère qu'elle pourra en faire de même sur Eos. De la manipulation d'atmosphère ? Possible, ça collerait bien. Toutes les pièces de technologie reliquiate sont liées. Vous avez réussi à interagir avec ce monolithe, ce truc. C'est obligé. Et maintenant, ils communiquent avec les autres. Mais si pour quelle espèce ? Eux aussi, ils vous mèneront sûrement au système capable de dissiper les radiations. Se connecter au monolithe, suivre le lien jusqu'à la source, rien de sorcier. Voilà, évitez juste d'énerver trop d'observateurs. Envie de Pibi. Tenez, mes coordonnées. Le Red Dragon. Il faut que j'étudie cette histoire d'interface. Faites gaffe, cette planète est pleine de surprises.
Ok, on fait le plein de munitions. Dans un premier temps. Voilà. Donc, activer les monolithes reliques à éliminer la radiation. Donc, faut activer tous les reliques. Tous les monolithes. Il y a un truc que je voulais faire, mais j'ai oublié. Ça y est, je deviens sénile. On va lui parler déjà. Je peux pas. Si ? C'est fascinant, hein ? C'est pour ce genre de choses que vous vous levez le matin, vous aussi ? Élucider des mystères aliens sur des mondes hostiles, à votre avis ? Ah, une femme comme je les aime. Suivez mes coordonnées, percez le mystère des monolithes et on aura toutes les deux des réponses. Comment vous avez fait pour venir ici ? Vu ce qui est arrivé aux avant-postes, je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un. Je me suis fait déposer. J'ai dû falsifier un peu le plan de vol. Le Nexus voulait pas risquer d'autres vies. Ou il voulait pas que les gens sachent. Dommage. Il reste tellement de choses ici. Et certains d'entre nous veulent les trouver. On n'a pas fait tout ce chemin pour se tourner les pouces. Les robots qu'on voit, vous leur avez trouvé un nom ? Il fallait bien. Les observateurs patrouillent dans le ciel pour repérer tous ceux qui touchent à cette technologie. Les assembleurs fabriquent d'autres reliquats. Je sais pas trop comment encore. C'est peut-être de la mini-fabrication ou de l'impression 3D. Et les fracasseurs défoncent tout ce qui leur plaît pas. Nous, en l'occurrence. Facile à retenir. Est-ce que d'autres gens se sont installés sur Eos ? Il y a les Kert, les récupérateurs de Clancy, et un vieux Krogan aigri. Qui ça ? Disons simplement qu'il est venu pour taper sur des Kert et qu'il se fout royalement de ce qu'il détruit d'autres sur son passage. On espère que cette technologie changera l'atmosphère des. Ça fait du bien de voir une série habillée autrement qu'avec une combinaison moulante. Oui, peut-être. Je crois, c'est tout nouveau. Enfin, pour nous, parce que c'est là depuis longtemps. Ça lui donne un petit style Trunk du futur avec sa veste. Là. Comment ? C'est en veille depuis des siècles. Bon, ça fait pas si longtemps que ça, en fait. Mais suffisamment pour que les conditions climatiques partent en sucette. Si tout ça est vraiment lié. Phoebe, c'est classique comme nom d'Asari ? Vous me trouvez classique ? On me l'avait pas encore faite, celle-là. C'est qu'un nom. Il sonne bien, il est court, ça fait l'affaire. Bon, je vais y aller. Oui, il y a plein de choses à découvrir. Au boulot ! Il y a plein de choses à découvrir. On reprend des données, apparemment on peut. Alors, où je dois aller ? Donc les deux autres, il doit y avoir deux autres monolithes très loin par là-bas. On n'a pas trop le choix, on va devoir prendre le véhicule. Ah merde, ils me l'ont déplacé. Putain, ils m'ont foutu ici. Ah, j'étais pas fan des combis moulantes à Sari. Je préfère les voir vêtus quand même. Enfin, je vais quand même vérifier un truc. Si je peux pas scanner ça. Ah, si je me disais aussi. Une accrétion d'énergie du fléau, prudence conseillée. Un amas d'énergie noire similaire au fléau, mais de taille plus modeste. Dérègle les appareils électroniques et endommage les formes de vie organiques. Mais d'accord, hein, ça pue le terraforming, mais pour une autre espèce dont on ignore l'origine. Je détecte des niveaux de radiation supérieurs à la normale. Donc faut aller faire les deux autres. Lequel des deux est plus simple à atteindre ? C'est quoi ça ?
Sam, c'était quoi ça? Un déclencheur éthique lié à votre père et aux portions qu'il a verrouillées dans ma mémoire. Qu'est-ce qu'il a déclenché? Alec l'a associé à vos progrès en tant que pionnière, et non pas à un lieu spécifique. Aussi déroutant que cela puisse paraître, ma programmation est claire. Trouver d'autres de ces déclencheurs permettra de déverrouiller les souvenirs. Vous avez désormais accès à l'un des souvenirs de votre père. Retournez au bloc Sam sur l'Hyperion pour poursuivre vos recherches. Ok. Attends, c'est quoi cette valise là? Alors, c'est rien de spécial. Allez, faut essayer de se rendre jusqu'à cette truc. Échec. Oh, il y a un chemin là. Site de résilience. Pionnière, qu'est-ce qui est arrivé à ce corps? Un scan devrait nous permettre de le découvrir. Quel corps? Putain, mais vous voyez des trucs, les mecs? Pompe à piston. Okay. Pas mal de points de recherche là pour le coup. Ah, il parle de ce corps. Le Nexus n'a pas fait rapatrier les corps? On les croyait perdus, Ryder. On ne savait pas qu'ils avaient été abandonnés à leur sort. Je me demande combien ils sont là dehors. Beaucoup trop. Lexi, mettez le dos. La commande fonctionne, mais... Sam, la porte a été fermée de l'extérieur? Oui, pionnière. Il semblerait qu'un verrouillage manuel ait été enclenché avant que le courant soit coupé. Pourquoi faire? Ça n'aurait empêché personne d'entrer. Mais de sortir, par contre... Des terminaux secondaires. Pas d'accès. Sam? Si le déploiement s'est effectué conformément aux normes, l'accès principal doit se trouver plus loin. C'est beaucoup trop calme. On dirait qu'ils sont partis rapidement. D'après les rapports, l'évacuation a été interrompue par les Kert. Ok, ça pue. Pionnière, un bulletin de maintenance a été émis au moment de la coupure. Ça dit quoi? Fuyez. Fermez la porte, vite! Bordel de merde, c'est tout quoi ce machin? Très bonne question. Pionnière, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous avez des Kert en approche. Des Kert en plus de ce machin? Merde! Je sais même pas de quoi on parle là, les mecs, hein. Je sais même pas de quoi on parle. Oh! Ouh! Crache-moi pas dessus! Attention.
Ok. Où est-ce que j'avais des trucs de soins ? On peut rien faire tant qu'ils sont là. Faut que je me mette à l'abri. Ah le relou. Putain, j'ai pas pu fuir. Ah, faut d'abord s'occuper des petits avant de s'occuper du gros là-dessus. Yo Warcat. Et salut Ouloulou. Ah bah là on a rien. Ah ok d'accord. Donc ils m'ont remis en mode ambiance combat mais le combat n'est pas encore lancé. Des terminaux secondaires, pas d'accès. Sam ? Si le déploiement s'est effectué conformément aux normes, l'accès principal doit se trouver plus loin. C'est beaucoup trop calme. On dirait qu'ils sont partis rapidement. Ils ont évacué pendant une attaque de Kert. Il y a eu de lourdes pertes. Kert arrive. Fermez la porte, vite. Ah, il est là. Bordel de merde, c'est quoi ce machin? Très bonne question. Pionnière, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous avez des Kert en approche. Des Kert en plus de ce machin? Merde. Bon, faut que je localise les Kert déjà. Ah, fait chier. Oh, ils sont relous ceux-là. Ils sont relous. Ouais, CV pour engainer. Ouais. Les terminaux secondaires. Pas d'accès. Sam ? Si le déploiement s'est effectué conformément au. Faut que je trouve un endroit où je peux me soigner. Génial. Un bulletin de maintenance a été mis au moment de la Ça dit quoi ? Fuyez. Fermez la porte, vite! Bordel de merde, c'est quoi ce machin? Très bonne question. Pionnière, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous avez des cartes en approche. Des cartes en plus de ce machin? Merde! On s'en fout, hein, on peut fouiller aussi.
Geert se joignent à la fête. On peut rien faire tant qu'ils sont là. Ah, fais chier! Pourquoi je bouge plus? Pourquoi mon perso bouge plus? Oh putain, fais chier, j'ai appuyé sur la console sans faire gaffe. Oh merde. J'étais tellement perturbé, j'ai appuyé sur la console et je pouvais plus bouger. Oh le boulet. T'as le hardcore tendu quand même. Hein. Mais c'est jouissif. C'est jouissif. Terminaux secondaires. Pas d'accès. Sam, le fait que les combats soient tendus, c'est quand même jouissif. L'accès principal doit se trouver plus loin. C'est beaucoup trop calme. Junior, un bulletin de maintenance a été émis au moment de la coupure. Ça dit quoi? Fuyez. Un colosse! Fermez la porte, vite! Bordel de merde, c'est tout quoi ce machin? Très bonne question. Pionnière, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous avez des cartes en approche. Des cartes en plus de ce machin? Merde! Ah, fais chier! Oh, mais sérieusement! Oh, c'est tellement chaud d'utiliser ses capacités sur ce jeu, c'est abusé. C'est là que la manette, pour le coup, aurait été vachement plus intéressante. Mais vu que j'arrive pas à viser la manette, c'est vraiment relou. Les terminaux secondaires, pas d'accès. Sam? Si le déploiement s'est effectué conformément aux normes, l'accès principal doit se trouver plus loin. Génial. Un bulletin de maintenance a été émis au moment de la coupure. Ça dit quoi? Fuyez. Oui, Legendary Happy. Geert. Box, tu peux. Fermez la porte, vite! Enfin, si tu veux voir un exemple de personnalisation, tu peux aller sur ma chaîne YouTube. L'épisode 0, c'est la personnalisation de mon personnage. Je sais pas ce que vous avez fait, mais vous avez des cartes en approche. Des cartes en plus de ce machin? Merde! Bon, on va essayer de tuer les petits d'abord. Protège-toi. Là, le problème, c'est qu'on est totalement encerclé en fait. Ah, fais chier! Sérieusement? Mais sérieusement? Putain, j'ai encore ouvert la console de merde, putain, ça me saoule. Ah, pourquoi j'aime pas jouer à ce genre de jeu sur clavier souris, c'est franchement de la merde. Ah, putain. Pourquoi y'a pas d'aide à la visée sur la manette? Sam? Si le déploiement s'est effectué conformément aux normes, l'accès principal... Bon, je crois qu'on va y rester un moment sur ce combat à la con.
Fermez la porte, vite! Bordel de merde, c'était quoi ce machin? Très bonne question. Pionnière, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous avez des cartes en approche. Des cartes en plus de ce machin? Merde! Ah, putain de console de merde. Un autre transporteur avec des renforts. Attention. Faut trouver les petits d'abord parce qu'il faut... Putain, deux transporteurs. Putain de console! Oh putain, elle m'a fait peur. Où sont les petits encore? Ils sont relous ceux-là, ils sont relous. Faites détonner. Oh, ça va être d'un compliqué. Des terminaux secondaires, pas d'accès. Sam ? Si le déploiement s'est effectué conformément aux normes, l'accès principal doit se trouver plus loin. Pionnière, un bulletin de maintenance a été émis au moment de la coupure. Ça dit quoi ? Fuyez. Un colosse ! Fermez la porte, vite ! Bordel de merde, c'était quoi ce machin? Très bonne question. Pionnière, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous avez des cartes en approche. Des cartes en plus de ce machin? Merde! Oh, fais chier, j'ai fail total. Merci, Will Kill, pour ton follow, ça fait plaisir. Bienvenue à toi, poteau. Saloperie. Bon bah Vectra, tu restes par terre. Attention. Je peux rien faire pour toi. Oh et merde. Où est-ce qu'il y a un truc pour soigner dans cette zone? Restez sur vos gardes, ce monstre traîne dans les parages. Et les Gertz se joignent à la fête. Je ne peux rien faire tant qu'ils sont là. Putain, quand t'es sous le feu nourri, c'est impossible de de s'échapper. C'est abusé. Ah non, le Mordarcore, il pique. Hein. Là, franchement, la deuxième vague, elle arrive un poil trop tôt, quand même. Des terminaux secondaires. En fait, t'as pas le temps d'éliminer la première, que t'es déjà... Enfin, t'as à peine éliminé un ou deux gars, que t'as déjà une deuxième vague sur la tête. Et c'est vrai que là, ça devient compliqué. Ça dit quoi ? Quand t'as autant de feu sur toi. La porte, vite! Bordel de merde, c'était quoi ce machin? Très bonne question. Pionnière, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous avez des cartes en approche. Des cartes en plus de ce machin? Merde! Il y a une bonne grenade à l'atterrissage des troupes, ça aurait été tellement stylé. Et merde.
Merde, qu'est-ce qui... Putain, fais chier. Colosse dans notre dos. Sérieusement, c'est abusé. Je prends une rafale, je suis mort. C'est juste abusé. Les terminaux secondaires, pas d'accès. Sam ? Si le déploiement s'est effectué conformément aux normes, l'accès principal doit s'y trouver plus loin. Ah, ils sont trop nombreux, je peux pas les gérer. Un bulletin de maintenance a été émis au moment de... C'est rageant, mais je peux pas les gérer, là ils sont trop nombreux. Fuyez. Fermez la porte, vite! Il faut vraiment que je trouve un endroit où je peux me soigner, sérieux. De merde, c'est quoi ce machin? Parce que là, je vais pas pouvoir y arriver si ça continue comme ça. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous avez des cartes en approche. Des cartes en plus de ce machin? Merde! Oh, et merde. Merde, dans mon dos. Putain, fais chier. Ils sont beaucoup trop nombreux, ils sont beaucoup trop nombreux, je peux pas tous les gérer. Vu ma fragilité, je peux pas tous les gérer. Va falloir que je me booste mon armure, avoir un truc plus résistant. Parce que là, c'est abusé, à la vitesse où je me fais défoncer. En plus, je suis spécialisé au corps à corps, donc forcément, ça aide pas. Ça aide pas pour se faire défoncer. Ouais, je pourrais être tigrou de poche, mais franchement. Franchement, je vais pas rester à l'intérieur, ça serait pourri. Bordel de merde, c'est quoi ce machin? Très bonne question. Pionnière, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous avez des cartes en approche. Des cartes en plus de ce machin? Merde! Oh putain, où est-ce... Un autre transporteur avec des renforts. Attention. Oh. Là, il faut que je me soigne, par exemple. Voilà, putain. Et en plus, on n'a pas de kit de soins, c'est abusé. On n'a pas de potions, on n'a pas de médigel, on n'a rien. Putain. C'est relou. Terminaux secondaires, pas d'accès. Sam ? Si le déploiement s'est effectué conformément aux normes, l'accès principal... Je trouve un autre moyen.
J'ai pas envie de les combattre à l'intérieur, certes, ça serait le plus simple, mais franchement. Il y a foutage de gueule si je les combats à l'intérieur. Faites gaffe aux colonnes ! Fermez la porte, vite ! Bordel de merde, c'était quoi ce machin ? Très bonne question. Pionnière, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous avez des cartes en approche. Des cartes en plus de ce machin ? Merde ! J'en ai pas battu un seul pour l'instant. Vous allez voir. Et il nous encercle bien, hein. Bouge de là, toi. Ok, c'était celui que j'avais commencé. Un autre transporteur avec des renforts. Attention! Non ! Mais pourquoi ? Ok, il y a un truc que je comprends pas avec ma charge. J'ai pas pu la lancer contre lui. Et je sais pas pourquoi alors qu'il était totalement découvert. Ça se fait que je me suis retrouvé comme un con à spammer ma touche et à prendre tous ses tirs. Terminaux secondaires. Pas d'accès. Sam ? Si le déploiement s'est effectué conformément aux normes, l'accès principal est sécurisé. Légende d'Harry, Happy Box, merci pour ton follow, ça fait plaisir, bienvenue à toi, poteau. Un bâtard maintenant. Ça dit quoi ? Fuyez. Faites gaffe aux colonnes ! Fermez la porte, vite ! Bordel de merde, c'était quoi ce machin ? Très bonne question. Pionnière, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous avez des cartes en approche. Merde! T'as l'autre qui me crache dessus. Ah, fait chier. Déplacement tout pourri. J'oublie qu'il faut rester appuyé. Et là on voit rien quoi. Où est-ce qu'ils sont ? J'essaie de les localiser de loin, mais bon. Oh merde, il arrive pas à se mettre à couvert là. Restez sur
sur vos gardes. Ce monstre traîne dans les parages. Il reste encore des petits. On peut rien faire tant qu'ils sont là. Vas-y. Ils ont eu Liam. Ah bon? Rien cela. Faut que je la tire ailleurs, dans un premier temps. Il en reste encore un petit. Putain. Ok. Où est-ce qu'il est le petit? Non, ça c'est le gros. Putain, il en reste un. Putain, j'ai plus de vie. Faut que je me soigne. C'est qu'il y a les tireurs là-bas dans le fond, c'est relou. Ah, fais chier. Non, c'est relou. Là, le problème, c'est que je peux pas me soigner, c'est relou, je peux même pas. T'as un combat aussi long, t'as qu'une seule vie, en fait. Des terminaux secondaires, pas d'accès. Sam ? Si le déploiement s'est effectué conformément aux normes, l'accès principal doit se trouver plus loin. Faut que je fasse un run juste d'observation. Fermez la porte, vite ! On va faire le tour et on va regarder où sont les trucs de soins, parce que là, je peux pas le terminer sans me soigner, hein. Franchement, c'est clairement pas possible. Enfin, pas avec mon niveau, du moins. Faut que je trouve les trucs de soins. Parce que les munitions, il y en a plein, mais pour se soigner, par contre, il n'y a rien du tout. Ah!
Allez. Oh merde, putain, je saute dans le tas, moi. Ce composant avait un système de sécurité rattaché au cylindre. On dirait qu'il travaillait sur une sorte de projet spécial. Il faut qu'on trouve le reste. Ok. On a éliminé à peu près l'une, un des vaisseaux là. Il va falloir détruire le deuxième vaisseau maintenant. Putain mais non. Putain. Ouais, laisse tomber, on va les combattre à l'intérieur. Il y en a marre, on va les combattre à l'intérieur, il y en a marre. Cette série de wipe, elle m'a saoulé là. C'est non secondaire. Pas d'accès. Sam, si le déploiement s'est effectué, on va faire le gros noob, on va les combattre à l'intérieur et puis merde. On va faire le lâche. C'est beaucoup trop calme. Pionnière, un bulletin de maintenance a été émis au moment de la coupure. Ça dit quoi? Fuyez. Fermez la porte, vite! Bordel de merde, c'était quoi ce machin? Très bonne question. Pionnière, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous avez des cartes en approche. Il n'y a pas que ça à foutre, hein. On est limité en temps. J'ai pas tout mon temps, donc... Oh putain! Se joignent à la fête. On peut rien faire tant qu'ils sont là. Merde! Merde! Putain! Pas de couverture. Non, j'ai pas de grenade. J'ai pas de médigel. J'ai pas trouvé encore de trucs comme ça là pour se soigner dans la zone. Donc ça se fait qu'en fait j'ai qu'une vie. Je peux rien. Donc ça se fait que c'est extrêmement compliqué là pour le coup. Surtout avec ma spécialisation qui fait que je suis obligé d'être au corps à corps pour faire un maximum de dégâts.
Quand t'es encerclé, c'est vraiment le bordel. Fermez la porte, vite. Bordel de merde, c'est quoi ce machin? Très bonne question. Pionnière, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous avez des cartes en approche. Des cartes en plus de ce machin? Merde! Et là d'un coup ils sont super nombreux. En plus c'est aléatoire le spawn pour le coup. Le problème c'est qu'on doit tout affronter en même temps, ça c'est chiant en fait. C'est vrai que le fait de devoir tout affronter en même temps c'est un peu... Là, faut s'éloigner d'ici. Restez sur vos gardes, ce monstre traite dans les parages. Les Kurt se joignent à la fête. Eh hey merde, ils sont super nombreux là-bas. Merci Ezekiel pour ton follow, ça fait plaisir. Bienvenue à toi, poteau. Encerclement de malade. Oh, le combat relou. Le combat relou. Terminaux secondaires. Pas d'accès.